Donc, quoi tu as? អង្គជំនុំជម្រះប្រកាសបន្តកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីសំណាកាដោយអ្វីដែលអង្គជំនុំជម្រះបានជម្រាបជូនភិក្ខុនិងសាធារណជនរួចហើយក៏មានសម្ញថានៅក្នុងកិច្ចដំណើរការសំណាកាសម្រាប់ថ្ងៃនេះអង្គជំនុំជម្រះនឹងបន្តស្ដាប់សក្ខីកម្មសក្សីឈ្មោះនិកនដែលនឹងត្រូវតាំងសំណួរនឹងដល់បន្តដោយក្រុមដំណាងសហប្រញ្ញា ឡើងធ្វើរាយការណ៍អំពីស្ថានភាពរបស់ជនជាប់ចោតអៀងសេរីជំរាបលោកប្រធានជនជាប់ចោតអៀងសេរីមានវត្តមាននៅបន្ទប់ឃុំខ្លួនខាងក្រោមសាលសវនាការគាត់បានលាក់បងសិតមានវត្តមាននៅចំពោះមុខអង្គជំនុំជម្រះលិខិតលាក់បងសិតរបស់ជនជាប់ចោតរូបនេះបានប្រកល់ដល់ក្រមជីរួចហើយ អរគុណអង្គជំរះបានទទួលដំណើរសុំរបស់ជនជាប់ចោតអៀងសេរីចុះថ្ងៃទី 29 ខែឧសភាឆ្នាំ 2012 ដែលធ្វើឡើងតាមរយៈមេធាវីការពារក្តីបកគាត់សូមលះបង់សិទ្ធចូលរួមសកម្មភាពនេះដោយសូមនៅតាមដានកិច្ចដំណើរការសកម្មភាពពីចម្ងាយតាមរយៈប្រព័ន្ធទូរទស្សន៍សម្រាប់រយៈពេលសកម្មភាពពេញមួយថ្ងៃនេះដោយមូលហេតុបញ្ហាសុខភាពមិនអាចអង្គុយតាមដានស្ដាប់ក្នុងកិច្ចដំណើរការសកម្មភាពផ្ទាល់យូរបាន អង្គជំរះយល់ឃើញថានៅពេលនេះជនជាប់ចោតអៀងសេរីបានលះបង់សិទ្ធមានវត្តមាននៅក្នុងបន្ទប់សន្និបាតការផ្ទាល់តែគាត់អាចតាមដានកិច្ចដំណើរការសន្និបាតការពីចម្ងាយពីបន្ទប់ខាងក្រោមបន្ទប់សន្និបាតការនេះតាមរយៈប្រព័ន្ធទូរទស្សន៍និងអាចសម្រួលដល់ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងក្រុមមេធាវីការពារក្តីរបស់គាត់អង្គជំរះសម្រេចយល់ព្រមតាមដំណើសុំរបស់ជនជាប់ចោតអៀងសេរីដែលបានស្នើសុំលះបង់សិទ្ធចូលរួមក្នុងកិច្ចដំណើរការសន្និបាតការដែលផ្ទាល
Je vais revenir maintenant aux questions par lesquelles j'avais terminé l'audience hier soir. C'était des questions qui portaient sur les différentes réunions auxquelles vous aviez assisté au niveau de la cellule ou du secteur. Et je voudrais maintenant vous demander si, en plus de ces réunions au niveau local, dans la cellule ou dans le secteur 32, y avait-il des assemblées annuelles ou biannuelles au niveau de la zone à destination des cadres du parti? ສົມໄຊຕາມຈໍາມັນບານອໍແດ່ແຕ່ທໍາມະດາມີສັນນິບາດວ່າສັນນິບາດກອບຄັນພູມພຽມີເຈຍທໍາມະດາ ແຕ່ປະມານດອງຫຼືຢ່າງໝິດນັ້ນຂ້ອຍຈໍາມັນອໍແດ່ວ່າ Où se tenaient ces assemblées de zones? Est-ce que c'était toujours au même endroit ou cela a pu se passer à différents endroits au sein de la zone ouest? Qui participait, qui assistait à ces assemblées au niveau de la zone? Est-ce que c'était réservé à un certain type de cadre? Et si oui, lesquels? Donc, est-ce que cela veut dire que les gens des cellules des communes participaient, ainsi que tous les échelons qui étaient supérieurs aux communes, c'est-à-dire districts, secteurs? Combien de fois avez-vous personnellement participé ou assisté à ce genre d'assemblée? ສັນນິບາດນັ້ນປະມານດອງໄດ້ຖ້າລູກຈໍາໄດ້ຫຼືເຕຂ້ອຍມັນຈໍາເດບາດໃຫ້ຂ້ອຍຈົ່ວຂ້ອງສັນນິບາດໄດ້ໄປປາຊື່ຖ້າສັນນິບາດບາກໂຕລຽບາກໂຕລຽບາ Qui présidait ces assemblées au niveau de la zone? Qui les dirigeait? Est-ce que parfois des dirigeants du Kampuchea démocratique venaient de Phnom Penh pour tenir des discours lors de ces assemblées? Nhôm nơi chạm bàn
Madame Dyke, now top of day, Toby, Kangler, Toba. Pelno, Kirkung, Win, Tanun Cheer, but to Madame. Some new, high crowd, high crowd, Vous souvenez-vous, monsieur, à peu près en quelle année vous avez vu Nunchia dans la zone ouest à une assemblée de la sorte? Pan Sman, while Ruin Chong Jets of Boon in Chiba Long. I'm a man Chong Jets of Boon, some jam around it, but I dare Chong Jets of Pram, Manchwa Law, Manchantwa. Pourriez-vous nous dire quels étaient, en général, les thèmes qui étaient abordés lors de ces assemblées de zone par le secrétaire de zone ou par les dirigeants qui venaient sur place pour y participer? ចាំច្បាស់តែរឿងថាក្រោយសង្គ្រាមចប់ហើយទាំងអស់គ្នារួមគ្នាស្ដារសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញហើយជាមួយនឹងដើម្បីជំរុញការអនុវត្តនយោបាយខ្លួនឧបត្ថម្ភខ្លួនឯករាជ្យម្ចាស់ការដូចបាន Combien de temps ces assemblées duraient-elles au niveau de la zone? Est-ce que c'était une journée ou plusieurs journées? Pour en revenir au thème qui était développé, est-ce que vous avez jamais entendu parler à ces assemblées d'un thème en rapport avec les ennemis de la nation, les ennemis extérieurs ou intérieurs? Est-ce que vous avez jamais entendu parler de traîtres lors de ces assemblées annuelles? ខ្ញុំឮតែរឿងថាធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យមានអ្នករារាំងនៅទិសវាយសម្រុកកសាងប្រទេសរបស់យើងឯខ្មាំងកំណត់ក្នុងក្រៅយ៉ាងម៉េច
Yum Ottawa, I mean, Tabala. Est-ce que vous avez entendu Nuncia parler de personnes faisant obstacle à la lutte? Monsieur le Président, il y a deux exemplaires de l'étendard révolutionnaire qui se trouvent au dossier, qui publient des discours de représentants de l'Ankar parti venus aux assemblées des cadres de la zone ouest qui se sont tenus en 1976, en juin 1976 et en 1977. Je ne vais pas montrer le premier document pour les besoins de la transcription. Il s'agit de l'étendard révolutionnaire de juin 1976, référence E3-760 et D234.2.15. Je voudrais montrer un deuxième document qui est un autre étendard révolutionnaire, qui est daté d'août 1977 et qui porte la référence E3-193 et D189.2. Simplement, je vais dire le titre de ce document. Il n'y a qu'un seul titre. Il s'agit du discours d'un représentant du parti au sujet d'un certain nombre de directives relatives à la construction, à la consolidation et au développement du parti dirigeant au cours de l'Assemblée des cadres de la zone ouest organisée le 25 juillet 1976. Je vais laisser Monsieur le témoin regarder quelques instants le contenu de cet étendard révolutionnaire. Monsieur le témoin, est-ce que vous auriez déjà vu cet exemplaire de l'étendard révolutionnaire qui concernait spécifiquement la zone ouest? Et pouvez-vous nous dire si vous êtes familier avec cette publication ou avec le contenu de cette publication qui est relatif à cette assemblée de zone qui s'est tenue en juillet 1977? Juste une autre question, Monsieur le Président. Est-ce que vous seriez familier avec ce discours qui a été prononcé dans la zone ouest
ប្រចាំនេះដែរឬទេសូមជ័យលោកមេធាវីសូមគោរពលោកប្រធានលោកស្រីចក្រមអមៃមៃនេះសាកសួរបានអះអាងហើយថាលោកអត់ដែរបានឃើញអត់ដែរបានអានឯកសារនេះទេតើយើងគួរតែអនុវត្តហើយធានឬវិន័យឬមូលគោលការណ៍ដែលលោកប្រធានបានដាក់ដែរឬទេសូមតាមចារណាសូមអរគុណ Lors de ces assemblées de zones, est-ce que vous avez entendu plus spécifiquement que ce que j'ai dit tout à l'heure, les membres du parti venant de Phnom Penh, donc de hauts dirigeants, parler du fait que dans l'ancien secteur 15, il y avait beaucoup de corrompus auparavant, qu'il n'y avait plus que de la chair pourrie décomposée, mais que maintenant, cette chair pourrie avait été résolue et enlevée. Est-ce que vous avez entendu, lors de ce discours, lors d'assemblée générale, d'assemblée de la zone ouest, ce type de langage était tenu? នៅភូមិភាគប្រចាំនេះដែរឬទេការប្រើពាក្យពេចន៍បែបនេះតើលោកធ្លាប់ឮដែរឬទេ សូមជម្រាប សន្ទរកថា ដែល មាន ខ្លឹម សារ ដោយ លោក បាន បញ្ជាក់ អំបញ្ញ មាញ់ នេះ ខ្ញុំ ដូច បណ្ដៃ ឮ ទេ ក្នុង ពេល ទាំង គឺ ព្រោះ វា ជា Pourriez-vous nous dire, monsieur le témoin, si dans la zone ouest, a eu lieu à un certain moment une vague d'arrestations, une purge parmi les cadres qui composaient la zone, les secteurs et les districts? សូមជម្រាបខ្ញុំលើនិយាយតតគ្នាតាមរយៈការខ្សឹបខ្សៀវតែពេលនោះបើខ្ញុំមិនភ្លេចទេគឺខ្ញុំចេញផុតហើយចេញផុតមកខាងក្រសួងហើយបាទ Pourriez-vous préciser la période à laquelle vous avez quitté la zone ouest pour le ministère? Je crois que vous voulez parler du ministère des Affaires étrangères. Đang chết trong chết vùng phớt, đang chết vùng vầy. Mình chăm cho anh ấy, bạn ấy, hai bạn ấy. Bố mò phơ ca nơi cửa xuống, nó đi dạng về khlấy đó. Mình hô phí bay khai, bạn đang đi. Hơi về nốt, phép ca về chú bộ chú bò lại, về bộ, dùng kriêm. ចាប់ផ្ដើមផ្ទុះសាជាថ្មីហើយការវឹកវរពីការព្រួយបារម្ភនានិសនោះហើយត្រូវប្រមូលផ្ដុំកម្លាំងយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះអីហ្នឹង
nom ơi khmien na na sa su na na hien sa su na na rư ko đành đal than na na to na mo na de đuch nay mon chbas lo de ni som chmrieb chun ban pa nang va som nu. Dans la région 32, lorsque vous y étiez encore, n'a-t-il jamais eu de personnes qui ont disparu de cette région, de ce secteur? Vous n'avez jamais rien constaté? ខ្ញុំមិនដឹងទេតែគាត់ណាឮថាមានដកហូតទៅទទួលការងារថ្មីហើយទៅខាងណាអីខាងណាដូចបានជម្រាបគឺមិនដឹងទេគ្មានហ៊ានសួរហ៊ានអីទេបាទគាត់ណាដឹងថាដកទៅធ្វើការងារផ្សេង. Et ces personnes qui ont été retirées, est-ce que vous les avez jamais revues? Est-ce que vous connaissiez dans le secteur 32 une personne dénommée Sit qui travaillait dans le district de Udong? Est-ce que vous connaissiez une personne qui s'appelait Keo au niveau qui travaillait à la région 32? Keo K-E-O. Khyom thlop skol nau pel sangkriem ngmai nau pia yok phnom peing mdaong makal doy kot totul khang ka pkot kong tbieng aha ba. Est-ce que vous savez ce qui lui est arrivé après, en 77? Est-ce qu'il fait partie des gens que vous connaissez qui ont été déplacés d'un poste à un autre? Est-ce que vous connaissiez un certain Sim, S-I-M, du district de Ponya Leuil? Je voudrais juste mentionner à l'attention de la Chambre et aux fins de transcription que tous ces noms apparaissent dans un télégramme envoyé par la zone ouest au centre, un télégramme qui porte la référence, un rapport qui porte la référence des
369-12.1 et tous ces gens sont rapportés en mai 77 comme ayant été déjà envoyés au centre de sécurité S21. Monsieur le témoin, lorsque vous étiez en poste dans la région 32, est-ce que vous aviez jamais fait l'objet d'accusations ou de soupçons, même si c'était injuste? Monsieur le témoin, lorsque vous étiez en poste dans la Some chai chun Mukol yum Ka man I vini chai ta Ta tra lơ no song sai yum yang na ka man dang dai Jetter com twer gather Ni some chai chun man dang ba Vous avez dit tout à l'heure que vous aviez été transféré au ministère des Affaires étrangères, soit à la fin de 77, soit au début de 78. Qui vous a envoyé de la zone ouest au ministère? ສົມຈະບຽບຊູນອຳນາດໃນການດອກຮູດຫຼືການພັບປໂດປີກາຍນີ້ຫນຶ່ງຫນຶ່ງຄືມີແຕ່ຄະນະກຳມະການພູມິພິກຄືເກປາເພຍຖ້າເມພູມິພິມາມັນນັ້ນວ່າ Est-ce que le comité de zone vous a communiqué les raisons pour lesquelles vous étiez transféré au ministère des Affaires étrangères? Vous avez dit hier que c'était sans doute parce que vous étiez lettré, mais est-ce qu'il y a d'autres motifs qui vous ont été donnés? Monsieur le témoin, ដដែលគឺជាមូលហេតុមូលដ្ឋានគឺថាខ្ញុំចេះអក្សរចេះលេខច្បាស់លាស់ពីព្រោះជាគ្រូបង្រៀនដូច្នេះឲ្យមកទទួលការងារនៅក្រសួងសំស្របជាងហើយមូលហេតុដតីទៀតខ្ញុំមិនដឹងដែរតែខ្ញុំបានទទួលពាក្យបញ្ជាក់ប៉ុណ្ណឹងបាទ D'accord, donc vous nous dites que votre transfert au ministère n'avait rien à voir avec la vague d'arrestation ou les purges de la zone ouest, c'est bien ça? Monsieur le Président, avec votre autorisation, je voudrais lire un extrait d'un document qui parle explicitement du témoin. Il s'agit d'un document que la Chambre a déjà admis, le document E3/89 et IS 20.6.
Il s'agit d'une interview de Yen Sari par Steve Hader le 17 décembre 1996. Alors, je voudrais lire un extrait qui est situé aux pages en Khmer 00062471 jusqu'à 72. En anglais 00417313 jusqu'à 15. Et en français 00332625 ainsi que les deux pages suivantes. Good morning, Mr. President. Good morning, Your Honors. Thank you, Mr. President. Good morning, Mr. President. Good morning, Your Honors. Good morning to everyone in and around the courtroom. Normally, I would not be objecting if we were under normal circumstances admitting evidence and using evidence with witnesses as we would be doing in an adversarial proceeding. In these proceedings before the ECCC, the trial chamber has taken a number of decisions, some which I don't particularly agree with, but nonetheless, these are decisions that have been taken concerning the use of statements by others who haven't appeared in court in order to confront witnesses. This is a new development. We haven't been confronted with this sort of a situation. The prosecution began by asking leave. Leave was not actually granted. He then proceeded to go off and was about to read the passage. So at this stage, I would respectfully request that the trial chamber at least convene and decide whether under these circumstances this sort of a statement can be used in order to confront witnesses. As I've indicated, we haven't been confronted with this situation before. If the answer is yes, fine, then I take it that whenever any witness comes up to testify, then we would be permitted to use statements where references are being made to that witness by others who may or may not be testifying before this tribunal. So I respectfully request a ruling before the prosecution proceeds. Thank you. Thank you. Merci, Monsieur le Président. Je pense que dans ce cas-ci, c'est vrai qu'il ne s'est pas encore présenté. Il y a un lien très clair entre ce document, cet extrait du document et le témoin, puisque son nom est cité. Il y a un commentaire qui est fait par l'accusé Yen Sari dans cette interview qui a été admise. Il me semble qu'il serait normal de donner la chance aux témoins de pouvoir réagir à l'extrait que je vais, avec votre autorisation, pouvoir lire, de manière aussi à lui rafraîchir la mémoire sur les circonstances dans lesquelles il a rejoint le ministère des Affaires étrangères.
សេចក្តីជំទាស់របស់មេធាវីកាលពីក្តីលោកយឹងសេរីឬក៏លើកយកដកត្រង់នៅឯកសារទី3/89មកសួរដេញដោលចំពោះសាក្សីរូបនេះគ្មានប្រសិទ្ធភាពអង្គខ្ញុំព្រះអនុញ្ញាតឲ្យតំណាងថាប្រញ្ញាអន្តរជាតិអាចយកឯកសារនេះមកប្រើប្រាស់ដើម្បីសួរដេញដោលចំពោះសាក្សីនេះបានសូមអញ្ជើញ Thank you, Mr. President. Just one point of clarification. I did not object. I asked for a ruling, and so I want the record to be very clear that I was not objecting, because then it gives the impression to the public, and to the council, and to the record that somehow we have something to fear with this being used. I asked for a ruling, and I want to be very, very precise. Thank you. Thank you, Mr. President. Just one point of clarification. មូលហេតុសំអាងហេតុនៅក្នុងការករណីនេះគឺខុសប្លែកពីករណីដទៃទៀតដែលអង្គជំរះបានសម្រេចរួចហើយករណីនេះគឺជាបទសម្ភាសជាមួយនឹងជនជាប់ចោតអៀងសេរីហើយនៅពេលនេះអៀងសេរីបាននឹងកំពុងមានវត្តមាននៅក្នុងកិច្ចដំណើរការសមនាការប្រសិនបើគាត់ស្ដាប់បានហើយមានបញ្ហា Merci, Monsieur le Président. Donc, je vais lire cet extrait dont j'ai mentionné déjà les références. Il dit ceci. Alors, Steve Eder pose une question. Et depuis quand Nick Horn a été intégré? Et il fait référence au ministère des Affaires étrangères. Réponse de Yeng Sari. En 1978, au début de 78. Non, la fin de 78. La fin de 77. Il est venu depuis le mois de juillet 77. Oui, au mois de juillet 77, au moment où il a été accusé d'avoir eu des relations avec la CIA. C'est pourquoi il a été intégré, comme il était parent de Son Sen, il a été envoyé au ministère des Affaires étrangères. Mais tous ceux qui ont été accusés d'être membres de la CIA ou d'avoir eu d'autres relations, tous ceux qui n'ont pas encore fait ce qu'on appelait les preuves, ou qui n'ont pas encore été torturés, on les a envoyés tous au ministère des Affaires étrangères. Comme Nat, il a été envoyé au ministère des Affaires étrangères également, Hock aussi. Question de Steve Hader. Auparavant, Nick Horn, quand il était sur le terrain, il était où? Réponse de Yeng Sari. À l'ouest, au district de Udong. Fin de citation. Est-ce que Yeng Sari vous a jamais dit les vrais motifs, selon lui, de votre transfert au ministère des Affaires étrangères une fois que vous y êtes arrivé? Ou est-ce que votre frère Son Sen vous en aurait parlé également par la suite? Đối khi nhóm ban chấm riêng chôn ông sao nà ca âm ảnh mánh cứ hết phát lại bình chôn khi nhóm máu này dây tập năng dây thật nhóm nơi cái lại nóng mình xong xó của ca nghe hàng nóng mình tìm tía nè chê xó chê lê ấy cho ba lo tê bình chân mau khăn cơ xuống xong xó chiên rồi hãy có mau tới là mò tới có đã ở nhóm nơi không phải ông
ហើយរឿងថាប្រាប់ខ្ញុំត្រូវគេចោទថាស្អីអាយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះមាននរណាប្រាប់ទេហើយតាមខ្ញុំយល់ដោយបានជម្រាបលោកប្រធានពីម្សិលមិញគឺថាលក្ខការសម្ងាត់នេះពោះណាការចាត់ចែងអីវានៅលើខាងលើទាំងអស់មិនអាចយកពាក្យពេចន៍ដែលពាក់ព័ន្ធដល់ខ្លួនបុគ្គលអីមកប្រាប់ទេដូច្នេះរហូតមកថ្ងៃនេះ ខ្ញុំក៏អត់ដឹងទៅដឹងតាមលោកសហប្រិយអញ្ញាបានបំភ្លឺតាមថាខ្លឹមសារមិញមិញនេះបាទនេះសូមឆ្លើយជូនប៉ុណ្ណឹងបាទ Dans cet extrait que j'ai lu, Yeng Sari croit se souvenir que vous êtes arrivé au ministère des Affaires étrangères en juillet 77. Tout à l'heure, vous avez parlé de fin 77, début 78. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que Yeng Sari a dit? Vous auriez rejoint le ministère des Affaires étrangères plus tôt? Est-ce que cela rafraîchit votre mémoire ou bien vous confirmez ce que vous nous avez dit plus tôt? Une fois que vous êtes arrivé au ministère, est-ce que c'est Yeng Sari qui a décidé de la fonction que vous joueriez au sein du ministère? Rechana Sampuan le Krasuong no Tua ni chi somkhan ke Pathien Manti Rechana Khyom Tua Ka Nae Noam Tual Phi Pathien Manti ba Alors, vous avez parlé du fait que vous aviez travaillé au sein du service du protocole, mais à quelle fonction exactement? មានភ្ញៀវជាបុគ្គលមិនមែនគណៈប្រតិភូគឺឲ្យខ្ញុំជូនទៅមើលកោវត្តហើយទៅមើលកោវត្តម្ដងម្ដងគឺមានយុវជនយុវនារីពីរទៅបីនាក់អមដំណើរជាមួយខ្ញុំរយៈពេលប្រហែល1អាទិត្យ1អាទិត្យលើសផ្លូវលំបាកក្រៅពីនឹងមានតែ មកសម្អាតផ្ទះលាងបង្គន់លាងអីប៉ុណ្ណឹងជាមួយនឹងយុវជនយុវនារីហ្នឹងទៅដើម្បីទទួលភ្ញៀវមុខងារច្បាស់លាស់ប៉ុណ្ណឹងបាទដែលជាមូលដ្ឋានហើយក្រៅពីនោះមិនមានអីទៀតទេមានតែបើទំនេរជួយដាំបន្លែជុំវិញកន្លែងក្រសួង Est-ce que vous étiez le chef du service du département du bureau du protocole au sein du ministère?
មិនតាន់មានការប្រកាសជាផ្លូវការទេបាទ Je voudrais, Monsieur le Président, lire un autre très court extrait du même document E3-89-IS-20.6. Alors, en Khmer, c'est le début de la page 000-62-472. En anglais, 00-41-73-14. Et en français, 00-33-26-95. Donc je répète en français, 00-33-26-95. Question de Steve Hader. Et quand on a envoyé Nikon à ce ministère, quel type de travail vous lui avez confié? L'accueil des invités? Réponse de Yeng Sari. Non, il était responsable du protocole, chef du protocole. Steve Hader. Oh, chef du protocole. Après, Yeng Sari poursuit un peu plus loin. Nikon était supérieur à C, mais celui-ci, ce qu'on appelait, gérait beaucoup plus loin de Hong. Alors, la dernière phrase, je crois qu'il ne faut même pas essayer de la traduire, elle est presque incompréhensible en français. Alors, je voudrais plutôt lire la traduction qui a été faite en anglais. Et cette dernière phrase, il est dit plus clairement, Nikon was above so say, but Nikon... But Nikon was a much better administrator than Hong. Donc, je ne sais pas si je dois répéter parce que je me semble que la traduction est restée un peu en arrière. Donc, la dernière phrase en anglais, Nikon was above so say. But Nikon was a much better administrator than Hong. Alors, est-ce que vous êtes tout d'abord d'accord avec Yeng Sari pour dire que vous étiez effectivement le chef du protocole au ministère des Affaires étrangères durant la période où vous y avez travaillé? ຕ້ອງບັນຈາສະຫນួរໃນສູ່ຂ້ອຍໄປປະຕິການ dòng mà đạo nhóm chặt chay từ ở nhóm từ tu ai phê được cái thả này từ tu nhiều chun nhiều còn từ tu nhiều nó phê chán cứ chun nhiều đây thằng này từ tu trái kia từ tu vào hai tí phí mình ai cái phê tê phù hợp mình ra phía ở về trong tha đôi ai giúp thì thoa hô hết nhưng mình nói tôi biết sao mặt tôi hiệp lơ cả nặng mình thi lơ cả nặng cam mà ca cả xuống kho này mình viên để bạn Alors, vous avez dit qu'en tant que directeur
intérimaire, si j'ai bien compris, du service du protocole. Vos fonctions, c'était essentiellement d'accompagner des délégations invitées ou des invités. Est-ce qu'il y avait d'autres choses que vous deviez faire au sein du ministère? Et je ne parle pas de cultiver des légumes, mais plutôt en rapport avec des enfants. Combien d'enfants travaillaient ou se trouvaient au ministère des Affaires étrangères? Et qu'est-ce qu'ils y faisaient? D'où venaient ces enfants qui se trouvaient au ministère des Affaires étrangères? Est-ce que certains de ces enfants travaillaient à l'accueil des invités ou à aider à accompagner certaines délégations en visite au pays? Qui était votre supérieur immédiat au sein du ministère des Affaires étrangères? Est-ce que vous connaissez d'autres noms, les autres noms de ce monsieur Chim? Est-ce que vous connaissiez Chim déjà auparavant, durant le temps de la guerre de 5 ans? Mais est-ce que vous l'aviez déjà aperçu auparavant, durant la guerre? Je peux
លោកជាមគឺគាត់ជាមនុស្សរបស់ខាងលើដូច្នេះចំពោះខ្ញុំអ្នកមូលដ្ឋានមិនបានជួបទេ Donc vous avez dit que M. Chim était chef de votre service ou de votre unité. De quelle unité s'agissait-il? Mais de quoi principalement Chim s'occupait-il au sein du ministère? Chim quand mien mok ngi avai khla nai khnom kasuang ka bote nu quand tveu ai che samkhan nu. Khnyom chomriep chun. Mok ngi dai khnyom khoeng khnyom dang គឺឃើញគាត់គ្រប់គ្រងរួមហ្នឹងគ្រប់គ្រងពីរឿងចាត់ចែងការងារតាមផ្នែកនានាតាណានានាតាណាហើយក្រៅពីហ្នឹងរឿងគាត់ពុតពងបាយទឹកអីឲ្យបុគ្គលិកក្រសួងក្រៅពីហ្នឹងយ៉ាងមួយទៀតខ្ញុំមិនដឹងទេ Est-ce qu'il y avait un lien quelconque entre le service du protocole et les questions de sécurité? Par exemple, les questions de sécurité des invités. Qui était le chef immédiat de Chim? Ou qui était l'échelon entre Yang Sari et Chim, ou les échelons, s'il y en avait plusieurs? Vous avez parlé de Yang Sari comme ministre, vous avez parlé de Chim comme chef de service. Qui il y avait entre les deux au niveau hiérarchique? ជំរាបជូនគឺចន្លោះកណ្ដាលហ្នឹងក៏មានដែរតាមដែលខ្ញុំឃើញប៉ុន្តែឲ្យប្រកាសថាច្បាស់លាស់យ៉ាងម៉េចខ្ញុំមិនច្បាស់ទេគាត់ដោយលោកបានបញ្ជាក់ជូនខ្ញុំមិញហ្នឹងថាមានសម្ភារហ្នឹងមានហុងខ្សែអីចឹងប៉ុន្តែខ្ញុំដឹងថាមានតែហុង ជាមហ្នឹងប៉ុណ្ណឹងបាទដូចក្រៅពីហ្នឹងសាធារណៈបច្ចេកទេសអ្នកបច្ចេកទេសដូចខ្ញុំទៅគេហៅថាផ្នែកដែលគេចាត់ចែងដូច្នេះទទួលបទបញ្ជាផ្ទាល់ពីជាមហ្នឹងទៅចាត់ចែងទៅបាទប៉ុណ្ណឹងបាទ Lorsque vous accomplissiez vos fonctions en tant que chef de protocole, est-ce que c'était toujours dans le respect des instructions et sous l'autorité de vos supérieurs hiérarchiques?
Est-ce que Chim, est-ce que Hong aussi devait toujours respecter les instructions qui venaient de l'échelon supérieur, c'est-à-dire au moins la tête du ministère, Yeng Sari? Excuse me, Mr. President. May it be Lopatien, so much yes, right? The question is rather leading and does suggest the fact that it's not an evidence. Perhaps we can elicit more information to see whether the witness is competent to answer that question. But I do believe that he's trying to put words into the witness's mouth. Perhaps he's asking you to speculate. So you can go step by step on this one. Je vais juste reformuler la question. De la même manière que vous deviez respecter les instructions venant de l'échelon immédiatement supérieur, est-ce que Chim, qui était votre supérieur, devait également procéder de la même façon avec ses supérieurs à lui? ដំណើរនៃការប្រតិបត្តិជាទូទៅគឺអញ្ចឹងខ្ញុំបើនៅក្រោមជៀមជៀមណែនាំខ្ញុំស្ដាប់ហើយជៀមក៏យកការណែនាំនោះប្រាប់ថាខាងលើប្រាប់ឲ្យធ្វើអញ្ចឹងដូច្នេះខ្ញុំមិនអាចបកកាយអីយ៉ាងម៉េចទេវាព្រោះកាលនោះជាវិន័យដែលថែបដោយខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងគឺទាំងអស់គ្នាដំណើរការតាមវិន័យនឹង Vous avez dit tout à l'heure que Yeng Sari était le responsable du ministère des Affaires étrangères. Est-ce que vous savez s'il occupait d'autres fonctions au sein des instances dirigeantes du régime du Kampuchea démocratique? Vous nous avez dit tout à l'heure que ne pas être certain des fonctions exactes, je crois, de Hong et de Se, qui était, si j'ai bien compris, supérieur à Chim. Est-ce que vous connaissiez les fonctions d'autres collègues qui travaillaient au ministère? Est-ce que vous connaissiez, par exemple, Suang Sikun, alias Kong? ซุงซีเกินហៅគង់តើលោកស្គាល់គាត់ទេសូមបញ្ជាក់ស្គាល់តែការងារមិនដឹងទេការងារឥតមិនដឹងទេនេះផ្នែកមួយមួយចាត់ចែងតាមផ្នែក Est-ce que vous aviez rencontré au ministère des Affaires étrangères une Française dénommée Laurence Pic, alias Paul? ឈ្មោះឡូរ៉ង់ឈ្មោះអីនេះខ្ញុំមិនស្គាល់ឈ្មោះទេតែខ្ញុំស្គាល់ថាមានបារាំងស្រីម្នាក់ហើយនៅក្នុងក្រសួងហ្នឹងរួចហើយដឹងថាជាប្រពន្ធហើយជាប្តីគឺខ្មែរ
Est-ce que vous connaissiez parmi les collègues proches Chun Prasit? Nhóm Skol tam là dạng vị thi từ tù nhiều cái nạp ra thì phú hay quát nhạc bọc này mà đong mà cao nâng xong từ trẻ chun và nâng vào ce qui lui arrivait assez souvent de, d'accompagner des délégations étrangères sur le terrain. Tam khi ông khởi đôi mình sao để mình sao chú để bị pro quát cho nên bỏ phải bị thi thông thông Est-ce que vous connaissiez Monsieur Auk Sakun alias Men? Auk Sakun hau Men d'arrêté. Nhom Skol Chmo Kun. Tại hau Men ấy ở đằng đề. Hãy Kun nâng có thơ lọc. Kênh nhạc bọc rai đài. Cả nam miền kêu Merci. Est-ce que vous connaissiez finalement aussi Monsieur Long Norin alias Rit au sein du ministère des Affaires étrangères? Nhóm Skol Chmo Rit Tại Long Norin mình Skol đây Vì Pro Chmo Khả nông phê Sân Kriêm cái đấy Chmo khả nông phê Cả rồi Sân Kriêm cái đấy Chmo Mà nẹp nẹp nguyên chí ra Trong mình chạy Chun vẫn đang vào Qui, au sein du ministère des Affaires étrangères, était désigné, selon ce qui était entendu à la radio, comme, le, je cite, le camarade secrétaire du comité pour les relations avec les amis du Cambodge démocratique à travers le monde. Est-ce que vous savez qui, au sein du ministère, remplissait cette fonction. J'en viens maintenant à la période à laquelle vous avez travaillé au ministère. Donc, pour ce qui concerne le début, c'est probablement, si j'ai bien compris, en 77, dans ces eaux-là. Vous nous avez dit avoir travaillé que 3 mois sur place. Est-ce que vous confirmez cette réponse ou bien avez-vous travaillé plus que ça? โดยระยะเปลวไฟให้มันบานจับอารมณ์ก็ถึงกวลในการเงียไอเต้กระตุ้นความเพื่อโดยเฉพาะยมมันประกอบไปเชียร์ท่าได้พิมพ์มันเจ็ดต้องเวียตรมเต้ามารอยเพียรอยเต้
Est-ce que vous êtes resté au ministère des Affaires étrangères jusqu'à l'arrivée des Vietnamiens? Parce que ça, c'est un événement plus facile à situer dans le temps. Donc j'en conclus, monsieur le témoin, si je peux simplement calculer le nombre de mois qui se sont écoulés entre fin 77 et début 78 et l'arrivée des Vietnamiens, cela relève à peu près de 12 mois, ou même peut-être plus, ou un tout petit peu moins. Est-ce que c'est correct? Merci. Alors, on va maintenant parler de votre rôle en tant que chef du protocole et des visites de délégation ou d'invités. Alors, en tant que chef du protocole, durant la période où vous étiez au ministère, est-ce que vous deviez souvent vous rendre à l'aéroport de Po Chien Thong pour accueillir des délégations étrangères ou pour accueillir des dirigeants du régime du Cambodge démocratique qui revenaient de visite à l'étranger? ដូច្នេះខ្ញុំបានបារម្ភម្កាលទេនៃណាដែលមិនសូវសំខាន់បានខ្ញុំនៃណាសំខាន់គេមានឲ្យតម្លៃទៅអ្នកដែលទទួលនឹងតាមឋានៈតាមជាន់របស់គេហើយមិនបានញញាត់ទេ Je voudrais peut-être vous rafraîchir la mémoire. Il y a au dossier un article dans Phibis qui rapporte une émission de la radio du Kampuchea démocratique. Et c'est un article qui porte la référence E3-1361 et D262.40 du 24 avril 1978. Nous n'avons que le IRN en anglais à ce moment-ci. Il s'agit du numéro 00-16-88-63. Alors, monsieur le témoin, il s'agit d'une émission de radio de Radio Phnom Penh qui part de l'arrivée le 22 avril 1978 de Léon Burstein du Parti communiste marxiste-léniniste américain et du fait qu'il a été accueilli notamment par le camarade chef du protocole du ministère des Affaires étrangères à l'aéroport. Est-ce que vous vous souvenez avoir accueilli ou rencontré ce monsieur Léon Burstein, représentant du Parti communiste marxiste-léniniste des États-Unis?
ជំរាបជូនខ្ញុំមិនចាំទេហើយភ្ញៀវមានគួសមដែរមរយៈនឹងដូចនេះឈ្មោះអីណាណាហ្នឹងមិនចាំទេ Si vous alliez, si vous n'alliez pas, si j'ai bien compris, régulièrement à l'aéroport, qui y allait exactement du ministère? Est-ce que c'était le ministre lui-même ou est-ce qu'il y avait d'autres personnes qui allaient accueillir des délégations étrangères à l'aéroport de Pohnchentong? ຕ້ອງບັນຈັກແນັກໄດ້ຜ្លាស់ປໍໂຕຕຕួលນັ້ນគេກຶດຕາມຕໍາໄລຫຼືຄຸນນະພາບໃນຊີມະນຸດຈາສກອລຕຕួលໂລກແຈ່ພາສາແຈ່ພິທີການອັນຕະຣາຊາດໃຫ້ຂ້ອຍນັ້ນພິທີການເຣີຍຮອງໃນຈົນນະບັດຕໍາມາໄປຈົນນະບັດ ដូច្នោះខ្ញុំចាំគឺមានលោកអុកសុគុនអីហ្នឹងលោកសុគុនហៅគុនគុនហ្នឹងបាទខ្ញុំចាំពាក្យកាលនោះគឺគុនហើយអាចមួយទៀតលោកប្រសិទ្ធនឹងភាចរានឃើញអញ្ចឹងបាទហើយខ្ញុំអត់ទេតើឡើយភ្ញៀវ Et concernant Yang Sari, est-ce que vous vous souvenez s'il s'est rendu plusieurs fois à l'aéroport pour accueillir des délégations étrangères de très haut rang? បតាមរចនាសម្ព័ន្ធធម្មតាទៅចន់ខ្ពស់តលចន់ខ្ពស់ដូច្នេះគឺគាត់ហ្នឹងតាអៀងសេរីហ្នឹងឯងគាត់ទៅប៉ុន្តែប្រហែលដងជាមួយភ្ញៀវណាខ្ញុំមិនចាំទេ En tant que chef du protocole, est-ce que vous deviez aussi assister à des réceptions, des banquets, des cérémonies, des spectacles et des projections de films qui étaient organisés pour les délégations étrangères ou par les ambassades étrangères à Phnom Penh? Et si oui, est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples? Oui, je voulais savoir si en tant que chef du protocole, il faisait partie de vos fonctions d'assister à un certain nombre d'événements comme des banquets, des réceptions, des cérémonies, des spectacles ou des projections de films qui étaient soit organisées pour que puissent y assister des délégations étrangères ou qui étaient organisées par des délégations étrangères en visite au Cambodge et en particulier à Phnom Penh. ខ្ញុំធ្លាប់បានតែត្រឹមនាំបង្ហាញចូលត្រង់នេះចូលត្រង់នោះហើយជួយទៅរៀបចំកៅអីមុនហើយរឿងដែលចូលទៅចូលរួមក្នុងពិធីជប់លៀងអីខ្ញុំអត់ទេអត់បានទទួលទេអត់បានចូលរួមទេ
hay ca bình trang phiệp dồn ấy có trong trăm mình ở thế bằng phiệp trán cứ miền tập phiệp dồn chân đại do mà bình trang tam rung con chặt chặt là nông bình đấy hồi cầm một co hồi nhẹ cái xuồng mình thi mưa nắng ban chui chặt chẽ tập văn năng đi bà ông quân lần này đọc bài sau là mong sum ra hơi nhưng mà các tham rạm phải nịt đi gặp về bên đi tới hồ đào mong đọc mui các bạn đọc nịt đi sau mình chơi chơi bình đọc mấy mình tàu cách tham ca tham nà ca mình thấy rất là ba tham ca mình đọc rule đọc đào cái này sum ra sum rum sum đẹp sạ xây nâng bị từ bị bức xạ bạc cốt nơi bẩn tụp rồng chăm nó bạc sạ xây hay nâng ở chơi cốt mọc cái này bắt đầu khai cam nơi không tụp tham nà ca này nơi bị lìa mong cầm nọt cứ mong đọc các bạn đọc nịt đi sum ra cho Xong trên cao chưa?